Salam alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'équipe de l'Open Hardware Algérie qui va vous présenter Tembo, qui permet la mise en place de services et d'applications d'Internet of Things très facilement. Pour cette démonstration, on vous propose de mettre en place une application de contrôle de dépassement de seuil de température avec notification par email en utilisant le service Gmail de Google. Pour ce faire, nous allons commencer par créer un compte chez Tembo. À la gauche, vous pouvez voir la liste des services et librairies pris en charge par Tembo. Nous pouvons choisir notre device. Dans notre cas, ce sera une carte Arduino Uno munie d'Internet Shield. Là, nous arrivons à une page d'introduction qui contient des exemples sur comment utiliser Tembo avec l'Arduino. Pour commencer notre application, il nous faut choisir dans la liste des librairies de services fournies Google, Gmail version 2, plus précisément Send Message. Nous sommes automatiquement dirigés vers l'espace de travail. Comme vous pouvez le voir, à notre droite, nous avons une représentation de l'Arduino. Nous allons choisir notre carte, qui est une Arduino Uno, puis le choix du Shield. Nous pouvons choisir un service pour le stream de données, mais nous n'allons pas le choisir maintenant. L'une des options offertes par cette interface est la possibilité de créer une réaction suite à un événement. Et c'est exactement ce que nous allons choisir pour notre exemple. L'on va prendre l'entrée analogique à 0 et lui assigner une valeur de seuil d'alarme, par exemple supérieure à 100. Arrivé à ce point, il nous faut un certain nombre de moyens d'identification et d'authentification pour se connecter à l'API Google. Au préalable, il nous faut avoir un compte Google, puis se loguer sur Google Developer Console où nous allons créer notre projet que nous nommerons Arduino Mail. Après la création du projet, il faut créer un nouvel identifiant client pour notre Arduino. Pour cela, nous commençons par activer l'API Gmail en choisissant API dans l'onglet API et authentification. La prochaine étape consistera à personnaliser l'écran d'autorisation pour notre application en donnant un certain nombre d'informations et même un logo. Pour enfin aller à l'onglet Identifiant et créer notre ID. Dans la fenêtre qui s'ouvre, il faut spécifier Application Web comme type d'application. Nous nous intéressons maintenant à la partie nommée URL de redirection. Pour remplir cet espace, il nous faut revenir vers Tembo, plus précisément sur la page consacrée à Gmail version 2, et puis copier l'URL donnée en exemple en modifiant le nom du compte Tembo par le nôtre. Et voilà, nous avons notre ID et le code secret du client. Il nous reste encore à récupérer un jeton d'authentification unique pour notre application. Pour cela, il faut revenir vers la page de Gmail version 2 et choisir l'initialisation d'authentification. Et entrer notre client ID. Suivi d'au moins une des adresses SCOOP données par Google. Puis il suffit de lancer l'application qui nous donne deux sorties. La première est une URL vers la page de demande d'autorisation où il nous faut cliquer sur Accepter.
Une fois que la page devient blanche, l'on peut passer à la finalisation de l'authentification, où il nous faut donner la deuxième sortie donnée par la page d'initialisation d'authentification, qui est la valeur callback ID, plus l'identifiant client et le code secret du client. Puis nous lançons le code pour enfin avoir l'access token, le jeton d'accès pour notre application. Il nous faut maintenant revenir à la page Send Message pour continuer le travail sur notre Internet of Things device. Il nous suffit alors de remplir le champ avec l'email de l'envoyeur, le corps du texte du message, le sujet du message et enfin l'email de réception du message. Il nous faut alors cliquer sur Run pour que l'on obtienne le code source à téléverser dans notre Arduino pour faire marcher cette application. Nous avons ici notre Arduino Uno que nous avons connecté avec un Ethernet Shield. Et que nous allons maintenant connecter à notre réseau. Voilà, nous avons connecté notre Arduino Uno à notre câble USB série. Et à ce niveau, on a connecté notre Ethernet Shield avec une RJ45 à notre réseau local. Dans cette manipulation, nous n'allons pas utiliser de capteur de température, mais nous allons le simuler. Simuler une entrée analogique sur le pin 0 en utilisant un simple connecteur. Voilà. Le connecteur va jouer le rôle d'une antenne qui va capter tout le bruit électromagnétique qui se trouve autour. Ça va nous permettre de faire entrer une valeur analogique à notre microcontrôleur. La prochaine étape consistera à télécharger et à téléverser le code sur notre montage pour qu'il soit opérationnel. Il nous est possible d'ouvrir le terminal série de l'IDE Arduino afin de vérifier le bon fonctionnement de notre application. Maintenant, si l'on se connecte sur la boîte email du récepteur, vous pouvez remarquer qu'elle contient un nouveau message qui indique que la valeur d'entrée 100 a été dépassée. Voilà, c'est fini pour cette vidéo qui vous a montré très brièvement les possibilités et services offerts par la plateforme Temu en matière d'Internet of Things. Comme vous l'avez remarqué, la création de cette application n'a nécessité que l'utilisation de la souris, mais rien ne vous empêche de modifier le programme fourni par Temu et de le personnaliser à condition de savoir quoi changer. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à nous suivre sur notre page Open Hardware Algérie sur Facebook ou bien à nous rejoindre sur notre groupe pour interagir avec nous et d'autres personnes qui s'intéressent à l'open source hardware en Algérie. Et de la part de toute l'équipe, je vous dis salam.